Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul des préparatifs de mariage. Cette vidéo est en collaboration avec Shein puisqu'ils ont eu la gentillesse de me proposer de tester tout simplement leur partie décoration de mariage. Je tiens également à faire un aparté, je les remercie énormément parce qu'il faut savoir, bon comme d'habitude Ulco veut vous dire bonjour, donc bonjour Ulco. Hi. Cache-toi pas au moment où je te présente. Je disais donc habituellement quand on collabore en fait, il faut savoir qu'ils vous envoient une liste d'articles et vous devez sélectionner quelques articles parmi la liste qu'ils vous envoient. Sauf que moi je leur ai bien stipulé que je ne voulais pas collaborer et commander pour commander, je ne veux que des choses dont j'ai réellement une utilité, un besoin. Ça ne sert strictement à rien de surconsommer, on va dire. Et ce que je voulais vous dire également, et que je vous ai déjà dit dans les derniers vlogs de préparatifs du mariage, c'est que sur ce genre de site internet-là, vous trouvez vraiment une multitude d'articles, énormément de choix, mais surtout à des prix attractifs. Et si vous êtes en plein préparatif de mariage, vous savez comme ça coûte cher. Sinon, également, avant de commencer, je vous glisse en barre d'informations la liste de tous les articles que je vais vous présenter dans cette vidéo et qu'on va découvrir ensemble, mais également un code de recherche unique qui va vous permettre de trouver les meilleures promotions actuelles sur le site de Shein, qui ne sont pas forcément liées au mariage, mais en tout cas les promos d'actualité. Allez, on commence, c'est parti! Alors j'ai donc mon carton qui est ici, donc que j'avais déjà ouvert uniquement pour voir que c'était bien ce colis que j'attendais et que j'ai reçu. Mais par contre les articles qui sont à l'intérieur, je ne les ai pas encore déballés. Je chope ici trois paquets qui sont exactement pareil, et en fait c'est tout simplement des drapés que j'ai pris pour venir décorer et faire un espèce de drapé justement au niveau de la toiture de ma salle de réception pour le mariage. Je vais en ouvrir un là pour voir à peu près le rendu, hein, l'épaisseur mais également la longueur, ça va avoir son importance, même si pour tout vous avouer j'y vais un peu au pifomètre. Est-ce que je ne sais tout simplement pas combien de mètres il va me falloir? Enfin, ça me paraît immense. Écoutez, ça me paraît même très très bien. Très 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 bien. Au niveau de la largeur, on a une largeur qui est plus large que mes bras détendus. Donc ça, c'est top. Vous pouvez, à la limite, si vous le souhaitez, la plier en deux pour donner un effet un petit peu plus opaque. Parce que bon, on est sur quelque chose de vraiment très 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 transparent. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit... On me voit encore en fait. Bon, au niveau de la longueur, donc nous avons une fois comme ça, deux fois comme ça, trois fois comme ça, quatre fois comme ça, cinq fois comme ça, six fois comme ça, sept fois comme ça, huit fois comme ça, neuf fois comme ça, dix fois comme ça, onze, douze, treize, quatorze. Et un petit bout qui dépasse. On est à plus de 15 mètres. Enfin, de toute façon, c'est écrit. Hein, mais c'est juste que je me rappelle plus, en fait, quand j'ai commandé. Mais c'est top. J'en ai trois comme ça. Je vais pouvoir, du coup, faire mon plafond. Donc, cet article-là, eh bien, il est validé. En fait, avec ces petits voilages que je vais mettre, du coup, au niveau du plafond, dans la longueur. Hein, moi, je fais pas une étoile ou quelque chose. Les petits cris que vous entendez, c'est Lucas qui est juste à côté sur son tapis en train de jouer. Je suis désolée, la nounou est en vacances, il a terminé sa sieste et j'ai malheureusement dans mon organisation pas d'autre temps pour vous filmer cette vidéo. Donc vous risquez de l'entendre un petit peu. Mais bon, c'est mignon un enfant. J'en reviens à mes moutons. Je voulais savoir, avec ces drapés, j'aimerais également mettre des guirlandes pour donner un espèce d'effet ciel étoilé. Mais je ne sais pas si je pars sur des solaires, si je pars sur des guirlandes à piles, si je pars sur des guirlandes qu'on doit brancher. Mais ça, je pense que c'est une option que je vais oublier parce qu'il n'y a pas énormément de prise dans la salle. Et surtout, quelle longueur est-ce que je prends? Si jamais vous avez fait la déco de votre mariage, que votre mariage est déjà passé, que vous avez justement, vous êtes parti en fait sur ce ciel étoilé, est-ce que vous conseillez plutôt des guirlandes longues de genre 30 mètres, une guirlande plutôt de 10 mètres et en fait vous en achetez 3, ou un rideau, je suis complètement perdue, je n'arrive pas à savoir ce que je veux, ce qu'il faut que je prenne, etc. Donc je suis preneuse de vos conseils, astuces et vécus, merci. Ensuite je cherche ici, waouh, c'est lourd. En fait, dans la première vidéo des préparatifs de mariage, je vous ai fait un haul à l'intérieur aussi et j'avais acheté
Cette espèce d'effet glycine en fait que j'aimerais mettre sur les lustres parce que j'ai 4 gros lustres en bois et j'aimerais un effet tombant, je vais peut-être les mettre là. Et j'en ai 3 ici et en fait j'en avais commandé un autre mais je m'étais dit que j'en recommanderais d'autres, voilà, pour pouvoir habiller mes lustres. Mais ils n'étaient pas aussi grands. Bon, cela dit, ça fait très joli aussi. Hein. Là en fait, elles sont toutes à l'unité, vous voyez. Donc en fait, vous pouvez vraiment les mettre un peu comme vous souhaitez. J'ai vraiment hâte de décorer ma salle. C'est loin, c'est dans 8 mois et quelques, mais c'est la partie vraiment que je vais préférer. Bon, mis à part le mariage en lui-même, hein, mais de tous les préparatifs du mariage, moi c'est la déco de la salle que j'attends le plus. Enfin, je vais juste vérifier un truc, est-ce que ça se... Ouais, parfait. Parfait. Je voulais juste vérifier que les bouts se tordaient. Parce que dans ces cas-là, avec les bouts, je vais pouvoir les torsader directement sur mes lustres. Alors que si c'était pas le cas, il aurait fallu que j'achète en plus du fil de fer en fait pour venir les accrocher. Ensuite, alors j'ai également commandé ça. C'est tout simplement un rideau de voilage blanc que j'aimerais mettre derrière. Merci Ulco pour la caméra. J'aimerais mettre derrière la table d'honneur des mariés et derrière il y a une guirlande en fait de petites lumières. On est sur exactement la même opacité, j'ai envie de dire, que les drapés de plafond que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une couture ici et en fait ici vous avez un espace où vous pouvez venir passer votre barre ou même votre arche à la limite. Ils m'ont mis, alors ça j'en ai pas spécialement besoin, mais bon. C'est tout simplement des petits pompons, j'imagine, pour venir faire un espèce de, vous savez, d'attache de rideau. Si vous voulez vraiment faire un rideau comme ça, moi je pense que je le laisserai tomber. Donc voilà, il est livré avec des petites attaches qui sont comme ceci. Et les fameuses petites guirlandes. Donc vous en avez 2 comme ça. Et il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en tout j'en ai 20. Tomber de lumière à mettre derrière le rideau. Pas de branchage là-dessus. Ah non, c'est une clé USB. Ok, donc il va falloir mettre des adaptateurs pour pouvoir les brancher. Ensuite, j'ai voulu commander ça pour tester. Ça va me servir à décorer mon arche de cérémonie laïque. C'est tout simplement des feuilles de palmier. Et elles ont la même taille. Toutes la même taille, voilà, elles sont comme ça. Rien à dire sur ça, c'est typiquement ce que j'attendais, conforme à la description et à l'image. Je suis contente. Ensuite, alors ça, ce sont tout simplement des chemins de table. C'est pour mettre, vous l'aurez compris, sur mes petites tables, avec mes petites décos. Voilà, donc je les ai pris de couleur verte et j'en ai bien 10. 1, 2, 3, attends, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, tout à fait. Donc j'en ai 10 comme ça. Je vais juste en ouvrir une, en détresser une. Ouais, parfait. Parce qu'au niveau de la longueur de mes tables, moi j'ai choisi de mettre des tables uniquement de 6 personnes et non 8. Donc elles sont un petit peu plus petites et voilà, ça donne ce rendu-là. Je suis très contente. Je valide également. Et pareil, hein, dans les magasins de fêtes, les objets de déco et tout, ça coûte une blinde. Et là, sur Shein, 3 fois rien. J'ai recommandé également, alors là je suis un petit peu déçue, je dois l'admettre. En fait il me manque pour faire mes décos de table un seul support en bois comme ça. Il était marqué, c'est pas marqué là, mais c'était marqué que ça faisait à peu près 23 cm de diamètre, mais je pensais qu'il était rond et en fait comme vous voyez c'est ovale. Moi 23 pour moi c'était le rond. Donc bon, c'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose, mais il va falloir que j'en commande un ou que j'en achète un quelque part qui fasse vraiment la taille de tous les autres que j'ai déjà, parce qu'il m'en manque vraiment juste un seul. Ensuite, alors ça je suis très contente parce que je vais vous avouer qu'en le commandant j'avais peur que ça arrive cassé, mais ce n'est absolument pas le cas. J'ai commandé, je les trouvais vraiment jolies, 2 vases, voilà, pour mettre mes petites fleurs séchées. On est sur des vases purement en plastique, ils sont blancs. Vous avez celui-ci qui a cette forme en fait de moulure là, et celui-ci on est plus sur des lignées avec des petits détails en corde ajoutés pour venir donner ce petit effet bohème que je recherche. Voilà, je suis pas déçue. Ensuite, alors ça, est-ce que je vous les montre réellement ou pas? Parce que il y a des petites fouineuses qui vont passer. Je vais vous les montrer quand même.
En fait, vous savez, quand on fait un mariage, c'est pas forcément obligatoire, mais on fait des cadeaux pour les invités, donc typiquement des dragées, des choses comme ça. Et moi, en fait, j'ai décidé que j'allais également faire des petits coffrets pour mes demoiselles d'honneur et ma témoin. Et j'ai trouvé, en fait, un lot de 10 petits miroirs en forme de rose, comme ça. Voilà, vous avez le petit miroir qui est ici. Présenté avec les petits pochons à l'intérieur. Nage aussi bien que les gros. Alors merci Lucas. Également des petites cartes à venir accrocher à vos petits pochons pour leur dire merci, tout simplement. Merci de faire partie de ces femmes mises à l'honneur pendant le mariage. Merci de faire partie de ma vie. Et voilà. Donc c'est la petite attention. J'ai trouvé ça très bien. Quand vous tapez d'ailleurs cadeau invité, cadeau mariage, etc., ils vous proposent plein de petites choses très 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 sympas. Alors ensuite, alors ça, vu la présentation, je pense que ce sont mes bougeoirs. Voilà. Ils sont comme ça. Vous en avez des grands et des petits. Et ça, je vais les mettre tout simplement en décoration également sur chacune de mes tables. Elles sont vertes, avec des petits trous à l'intérieur pour laisser passer la lumière. Je les voyais pas aussi vert pomme. Je les voyais un petit peu plus vert sauge, hein, la couleur que je préfère sur l'image. Mais très sincèrement, je pense que les invités, ça, ils en auront rien à faire. Ensuite, j'ai commandé également des porte-cartes ou des porte-menus. Je sais pas encore ce que j'en ferai. Mais je les trouvais très jolis, ils sont dorés. Voilà, vous les posez sur la table comme ça, c'est des petits cœurs. Voilà. Vous les posez comme ça et vous venez glisser vos petites cartes dans la fente de ce cœur-là. Voilà, je ne sais pas encore si je mettrai les menus ou alors si je mettrai, j'ai prévu une petite animation par table. C'est une carte en fait avec un petit quiz, un truc comme ça. Donc je verrai bien ce que j'en fais. J'ai également commandé des petits papillons vert menthe, vert sauge, pour venir également faire de la petite décoration. Je sais pas encore où je les mettrai. Et derrière, c'est tout simplement une petite pince crocodile. Voilà. Je me suis également pris un drap d'arche. Donc ça, c'est pour l'arche de ma cérémonie en vert sauge. On n'est pas du tout sur la même qualité de tissu que les drapés qui vont me servir à décorer. Hein. Mais au niveau de la longueur, on est sur 1, 2, je pense qu'on a 3 mètres. 3 bêtes, voilà. Donc 2 fois 3 mètres, il est trop trop beau. Encore une fois, des petits papillons en doré pour venir décorer ma salle. Ah là, la petite déception, parce que pourtant j'avais bien regardé les dimensions et je ne m'attendais pas à recevoir quelque chose d'aussi petit. Bon, voilà. Là, clairement déception parce que je ne sais pas à quoi ça va me servir. J'avais commandé des sachets pour mon candy bar. Je les mettrai sur le candy bar, mais là, clairement, on va dire que les gourmands vont être déçus parce que c'est vraiment trop petit, en fait. Moi, je m'attendais à des choses à peu près de cette taille-là, quoi, qui fassent 4 fois cette taille-là. Bon, bah tant pis, ça fera des petits paquets de bonbons pour ceux qui sont pas trop gourmands ou qui sont pas trop bonbons. C'est pour mon arche. C'est exactement la même chose que j'avais déjà. Ah, c'est cool, ils mettent des petits outils pour de serrage, en fait. J'avais exactement la même chose pour mon panneau de bienvenue que je vous ai également montré dans une précédente vidéo. Voilà, on est sur deux petites décorations fleuries, donc dans les tons vert sauge, du blanc et également de l'or. C'est vraiment les trois couleurs de mon mariage. Et donc c'est ces éléments-là que je vais prendre pour décorer mon arche. Mais je rajouterai derrière les feuilles de palmier que vous avez vues tout à l'heure, un petit peu de pampa, des fleurs séchées pour les étoffer un petit peu. Alors ça, je trouvais ça trop mignon. Je suis pas déçue. Je sais pas encore si j'en fais un seul bouquet ou pas, mais en fait, je trouvais ça trop mignon. C'est... Je suis désolée pour les bruits de Lucas. C'est des petites fleurs rondes qu'il faut venir... Bon là, bien sûr, elles ont été aplaties hein, pendant le transport, donc faut venir leur redonner un petit peu leur forme ronde. Mais en fait, j'ai commandé ça. Voilà, des petites fleurs rondes. J'en ai pris un lot de blanches et également un lot de vert sauge. Alors ça fait plus vert gris. Voilà, bon,
Si on les mélange un petit peu, on a des espèces de petits pompons comme ça, mais je verrai moi si je les sépare et que je les rajoute en fait dans mes bouquets de fleurs séchées de part et d'autre. Mais voilà, je trouvais ça joli. Ouais, c'est vraiment trop joli. J'aime trop la couleur. Ensuite, je chope une... Ah, elle est trop belle. Trop belle. Je sais pas encore si ce sera pour moi ou si je le mettrai pour Lana, mais j'aime beaucoup. Petite décoration de cheveux. Quand je vous dis que vous trouvez vraiment de tout sur Shein, broche, barrette à cheveux à venir glisser, vous voyez, dans un chignon. Bah, encore une fois, typiquement dans les couleurs du mariage. On est sur la touche de vert, de doré, de blanc. Voilà. Je pense que ça ira dans les cheveux de ma fille parce que sa robe est exactement de cette couleur-là. Le dernier article que j'attrape, c'est également pour Lana. Elle n'est pas avec moi pour les essayer. Elle aura la surprise. Voilà, il va faire la vidéo à ma place. Je lui ai commandé des chaussures pour le mariage. Elles sont comme ceci. Je suis pas déçue. Vraiment, là, encore une fois, pas déçue. Juste, il faut que je lui essaye. Oh, Lucas! Lucas, s'il te plaît, on a bientôt fini, c'est le dernier, mon amour. Juste, il faut que je lui essaye. Des petits talons larges également pour pas qu'elle ait trop mal aux pieds. Chaussures très souples. Petit scratch ici, qui tient bien. Qui a l'air de bien tenir. Un effet dentelle, quelques petites touches de sequin et un petit pompon fleur sur le devant. Voilà, j'ai hâte de lui montrer. Que je vous montre le petit coupable de ces vocalises incessantes. Hein, mon petit garçon ? Voilà, c'en est tout du coup pour cette vidéo. N'hésitez pas, hein, si quelque chose vous a plu, à aller checker en barre d'informations et cliquer sur le lien pour retrouver l'article directement. Ulco, Lucas et moi, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait à tous de très gros bisous, autant de bisous que Ulco peut en faire à Lucas. Arrête Ulco, laisse-le tranquille. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Salut! Oh, il a dit au revoir presque.